arrêt à Deauville devant le tribunal du Christ pour que chacun reçoive ce qu'il a mérité, soit en bien, soit en mal, pendant qu'il est dans ce corps. Parole du Seigneur. La mer Méditerranée. Et de là, ils faisaient donc des caravanes pour aller vers l'intérieur du pays, et c'est ce que nous aussi nous sommes en train de faire. Et donc c'était juste pour vous saluer et peut-être pour vous donner le programme de la journée. Ce matin, nous arrivons à Bethléem et nous allons voir si on trouve encore le petit déjeuner, mais on devrait le trouver. Donc, nous prenons nos chambres, nous déposons les effets dans nos chambres, nous prenons le petit déjeuner et en fonction de ça, on verra, parce que nous avons une messe programmée à 10h à la Nativité. Donc en fonction de ça, on va, en fonction de notre arrivée déjà d'abord à Bethléem, on va voir ce qu'il y a lieu de faire pour être à la basilique à 10h. Et après ça, on aura bien sûr des moments de méditation, de prière, des visites aussi de la grotte du lait qui est tout proche. Et du chant des pasteurs. Et l'après-midi, vous allez le prendre pour vous reposer, parce que je sais que faire ce long voyage, c'est épuisant. Et vu que pendant cette semaine, nous aurons besoin de toutes nos énergies, donc il est aussi louable de savoir faire la part des choses. Donc se reposer dans cet après-midi, et comme ça demain déjà on a la longue marche qui nous attend de Bethphagé à Jérusalem.
pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Elohim, Elohim, Lama sabachthani, Elohim, Elohim, Lama sabachthani. Mon Dieu, mon Dieu, oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bénissons notre Seigneur en ce jour nouveau qui nous a accordé, où nous sommes sur cette terre étrangère, où nous sommes arrivés pour vivre ce pèlerinage, vivre le mystère de notre Seigneur Jésus-Christ, ressortir de ce pèlerinage avec toute grâce et bénédiction. Pécheurs, nous le sommes. Il arrive afin que nous doutons de sa présence infinie dans notre vie, parce que nous ne savons pas tendre la main. Nous fermons l'oreille de notre cœur en posant le nom de cette célébration. Demandons sincèrement pardon. Disons, je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, tu es toujours à l'œuvre pour sauver les hommes. Mais en ce moment du carême, tu offres plus largement ta grâce à ton peuple. Regarde avec bienveillance tous ceux qui t'appartiennent. Que ton amour protège et fortifie à la fois les catéchumènes et les baptisés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais prendre les fils d'Israël parmi les nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de partout et les ramènerai sur leur terre. J'en ferai une seule nation dans le pays, sur les montagnes d'Israël. Ils auront tous qu'un seul roi. Ils ne formeront plus de nation. Ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se rendront plus impurs
avec leurs idoles immondes et leurs horreurs, avec toute leur révolte. Je les sauverai en les retirant de tous les lieux où ils habitent et où ils ont été péchés. Je les purifierai. Alors, ils seront mon peuple, et moi, je serai leur Dieu. Mon serviteur David règnera sur eux. Ils n'auront tous qu'un seul berger. Ils marcheront selon mes ordonnances. Ils garderont mes décrets et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, le pays que leurs pères ont habité. Ils l'habiteront, eux-mêmes et leurs fils, et les fils de leurs fils pour toujours. David, mon serviteur, sera leur prince pour toujours. Je conduirai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle. Je les rétablirai, je les multiplierai. Je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera chez eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, celui qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours. Parole du Seigneur. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Écoutez, nations, la parole du Seigneur. Annoncez dans les îles lointaines. Celui qui dispersa Israël le rassemble. Il le garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur le garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur a libéré Jacob, l'a racheté des mains d'un plus fort. Ils viennent, criant de joie, sur les hauteurs de Sion. Ils affluent vers les biens du Seigneur. Le Seigneur garde comme un berger son troupeau. La jeune fille se réjouit, elle danse. Jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble. Je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine. Le Seigneur garde comme un berger son troupeau. Alléluia. Vérité est ta gloire, délivrance. Rejetez tous les crimes que vous avez commis. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ta parole, Seigneur. Fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allaient trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient, « Qu'allons-nous faire? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui. Et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit, « Vous n'y comprenez rien? Vous ne voyez pas quel est votre intérêt? Il vaut mieux qu'un seul homme
pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. Ce qu'il disait là ne venait pas de lui. Mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple, ils se disaient entre eux, « Qu'en pensez-vous ? Il ne viendra sûrement pas à la fête. » Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné cet ordre. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Qu'allons-nous faire? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Frères et sœurs, comme nous l'avons entendu dans cette page d'évangile, voyons que la panique s'empare des autorités religieuses et elle entre dans une discrétion d'avenir des plus pessimistes. L'institution va être mise à mal et les forces publiques politiques vont finir par déstabiliser ce qui reste de la foi. Frères et sœurs, vous voyez, il est incroyable de voir comment le cœur de l'homme s'emballe face à la peur, oui, face à la peur de ne plus faire comme avant, de perdre des acquis au point de ne plus laisser place à Dieu. Et pourtant, ces autorités ont constaté une foi naissante, oui, une foi naissante dans la population. À de multiples reprises, Jésus s'émerveille devant la foi des personnes qu'il rencontre face à la foi de la Syro-Phénicienne. Il découvre que sa mission s'élargit à toutes les nations. Face à la foi des quatre hommes portant un brancard, il répond par la guérison du paralytique. Face à la foi du centurion, il s'étonne de ne pas avoir trouvé une telle foi en Israël. Jésus se donne, s'émerveille. Oui, Jésus s'ouvre au message de l'Esprit. Malheureusement, face à la foi des Juifs qui ont vu les signes de Jésus, la récréation de l'institution n'est pas l'ouverture, mais la panique. Ils ont peur. Oui, ils ont peur. Au lieu d'observer les signes des temps, ils s'enferment. Et ils enferment le temps, ils ferment l'avenir, ils cherchent à arrêter Jésus et entrent dans un cycle de violence. Nous, mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, allons-nous faire comme eux? Repérons dans nos vies ce moment, ces moments de panique. Et laissons l'émerveillement surgir pour y accueillir celui qui a fait naître la foi en nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, voici l'offrande de nos efforts et notre peine de chaque jour. Ô Seigneur,
Efface le péché, réponds à le désir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce. Toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises, il travaille à ce moment qui passe en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, voici la somme devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons en ce lieu très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur, notre Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Offrez cela en mémoire de nous. »
Mon Seigneur est mon Dieu, mon Seigneur est mon Dieu. Mon Seigneur est mon Dieu, mon Seigneur est mon Dieu. Proclamons le mystère de la foi. À toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, car il n'y a pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque, le patriarche Pierre Baptiste, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui y ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire. Par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris de notre Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Donne la paix à nos cœurs meurtris, angoissés. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Et nous attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas ton péché, mais la foi de ton Église. Que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix et conduis la vérité parfaite, toi qui es Dieu, pour les siècles et des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, échangeons un geste de paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde,
pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Donner son amour, c'est le Père de l'amitié, le Père de Dieu. Seigneur, mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et vivez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et vivez, car je suis. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Yeah.
fille de Dieu. Quand on a commencé la messe, vous avez suivi qu'il y avait des chants qui venaient de là. Parce que la grotte de la Nativité était juste là. Ce couloir que vous voyez ici, il va jusqu'à la grotte de la Nativité. Seulement qu'il est fermé. Et le patriarche a la possibilité de le traverser seulement pendant les fêtes de Noël. Où on ouvre, alors il peut en faire des liturgies pendant toute la nuit. Et ils peuvent aller par là et revenir par ici. Cette grotte de Joseph, parce que Marie qui accouche là à côté, Joseph ne peut pas être à côté. Parce qu'il faut rentrer beaucoup de temps en arrière. Ce n'est pas comme ce que nous voyons dans les films maintenant. Mm-hmm. Et je crois même que ça continue dans nos cultures africaines. L'homme ne peut pas être là où sa femme accouche. Et c'était la même chose jusqu'aujourd'hui dans l'esprit du Moyen et Proche-Orient. Et justement, ici, nous avons cette grotte de Joseph, mais nous avons aussi la grotte de Saint-Jérôme. Saint-Jérôme qui est reconnu pour la traduction de la Bible en latin. Et lorsque vous entrez ici, il y a une grotte tout au fond là, qu'on appelle la grotte de Saint-Jérôme. Pourquoi? Parce que la tradition dit que Saint-Jérôme, lorsqu'il reçut ce mandat du pape, de faire une nouvelle traduction de la Bible en latin, parce qu'il y avait la Vulgate latine, mais il devait faire une nouvelle traduction, parce que il y avait des doutes sur beaucoup de choses. On commençait déjà à lire la Bible en hébreu, en grec, et alors on se rendait compte qu'il y avait des choses qui n'étaient pas très très bien traduites. Alors, Saint Jérôme, il va ici en Israël, et il choisit de vivre à Bethléem. Et non, pas n'importe où, à côté de la grotte, où il dit que le verbe c'est faire chair, pour vraiment être au contact avec l'incarnation d'inspiration faite comme. Alors, Saint Jérôme habitait là et il faisait cette traduction-là. Et comment est-ce qu'il faisait ce travail? Vu qu'il s'était fait des amitiés parmi les rabbins, il prenait la Bible en hébreu chez les rabbins qu'il a lui donné et il travaillait toute la nuit. Parce qu'il devait la ramener afin que la communauté hébraïque ne se rende pas compte qu'on lui a donné cette Bible-là. Donc, et en passant, il y a quelqu'un qui a donné l'Alléluia. Parce que cette personne, c'était une erreur. Mais en fait, comme nous avons lu, la personne ne faisait pas ça d'elle-même. C'est-à-dire que Dieu parlait à elle. Pourquoi? En terre sainte, vous voyez que nous avons une possibilité unique dans le monde où chaque jour on peut célébrer Noël. C'est pour ça que lorsque vous êtes à Bethléem, vous pouvez célébrer Noël. Lorsque vous êtes au Saint-Sépulcre, vous pouvez célébrer la résurrection. Lorsque vous êtes au calvaire, vous célébrez ainsi de suite. Et la Terre Sainte est unique dans ce genre. Donc, même pendant le carême, on peut chanter Alléluia lorsqu'on se trouve dans ces lieux particuliers qui sont ceux de la Terre Sainte. Et pourquoi? Jésus même le dit lorsqu'on vient lui dire, mais pourquoi est-ce que tes disciples ne gênent pas? Il dit, comment est-ce que vous voulez que je gêne s'ils sont avec l'époux? Si vous êtes à Bethléem, comment est-ce que vous pouvez-vous ne pas chanter la gloire à Dieu au milieu des cieux? Vous voyez? Donc, c'est un peu cette petite introduction-là que je voulais faire. Nous, on va aller se changer. Vous prenez le temps d'entrer à gauche, à droite, et après, ensemble, on va ressortir parce qu'il faut qu'on entre d'abord à la grotte de la Nativité, et après, on va continuer notre petite visite ici. Le
Nous savons que nos paroles ne changent rien de ce que tu es, mais c'est toi seul qui nous amène de nous rapprocher de toi et de croire en toi. Comme Bartimée, nous voulons, Seigneur, que tu agisses dans notre vie. Dis seulement un mot, Seigneur, et nous serons exaucés. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien. Oui, sans toi, nous ne pouvons rien. Nous sommes sans force, sans valeur. Mais donne-nous, Seigneur, de croire en toi et de chanter tes merveilles, de dire tes merveilles, car toi seul es saint. Toi seul es digne d'être adoré. Tu es digne d'être loué. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. L'ange du Seigneur apporte l'annonce à Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Voici la servante du Seigneur. Sois fait selon votre parole. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Et le Verbe s'est fait chair, l'a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses du Christ. Oui, Seigneur, répands ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par la voix de l'ange l'incarnation de ton Fils bien-aimé, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection, par Jésus, le Christ notre Seigneur, toujours vivant pour les siècles des siècles. Amen. Priez avec votre esprit. Le Fils et le Saint-Esprit. Amen.